Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM Plus 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Louis Boutrin. Louis Boutrin est un avocat de profession, mais il est surtout conseiller territorial et président de Martinique Écologie, un parti dont le nom dit bien ce qu'il est, Martinique Écologie. Monsieur Boutrin, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir, je salue les téléspectateurs de KMT. Nous sommes le vendredi 1er mars, avril, c'est avril ou mars ? Mars. C'est pas un poisson d'avril. C'est les poissons d'avril. Donc nous sommes le 1er mars. Et l'actualité pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'actualité aujourd'hui ? L'actualité, on pourrait dire qu'il y a eu un vote en première lecture d'une proposition de loi par le député Califère sur la question d'indemnisation des victimes à l'empoisonnement au chlordécone. Et puis, cette semaine aussi, on peut constater que la tension n'est pas retombée au niveau de la crise agricole, puisqu'il y a encore des pourparlers avec le gouvernement, hein, puisque c'est une profession qui est en très grande difficulté et qui crie son désarroi. Et puis, on peut retenir également le fait que, paradoxalement, nous sommes en train de mégoter sur la question de l'évolution institutionnelle, alors que le gouvernement est en train de faire un pont d'or aux élus de la collectivité de Corse qui viennent d'être reçus lundi par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et il y aura une forte probabilité que l'autonomie de la Corse soit inscrite dans le marbre, dans la prochaine révision constitutionnelle. D'accord. Allons commencer, si vous voulez bien, par le chlordécone. Et donc, c'est une loi qui a été votée par 100 personnes. Une personne s'est abstenue, 100 personnes ont voté. C'est-à-dire que l'immense majorité des députés n'ont pas voté cette loi, et notamment ceux qui sont proches du gouvernement. Ensuite, cette loi va passer au Sénat. On sait que le Sénat est plutôt à droite. Donc, voilà. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que le parcours législatif de cette proposition est fini ? Non, le parcours n'est pas terminé, comme vous dites, puisque c'est une première lecture et une navette parlementaire, hein, puisque, comme vous venez de le préciser, cette loi doit également passer sous les fouches caudines des sénateurs et ensuite retourner à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons là un parcours parlementaire qui est semé d'embûches, d'obstacles et d'incertitudes. Pour autant, il faut saluer cette initiative qui a été prise par le député Califère, parce que nous ne pouvons pas accepter d'être traités de la sorte. L'État faillit à ses obligations et c'est normal que l'on recherche dans ce scandale du chlordécone la responsabilité de l'État. L'État a trois obligations vis-à-vis des citoyens. Une obligation d'abord de respecter les droits humains. Or, on le voit dans cette affaire que la première obligation de l'État, qui est celle de respecter les droits humains à travers notamment une justice équitable, c'est-à-dire une justice qui soit respectueuse également des délais. Et nous constatons également que l'État a une deuxième obligation, celle de protéger les populations. Et l'État a un devoir de protection de la santé des populations. Or, quand on regarde le scandale du chlordécone, on arrive à la conclusion que l'État a failli à ses obligations élémentaires et que nous ne pouvons pas nous contenter d'un déni de justice, un déni de justice qui se prolonge, et on peut même parler de scandale judiciaire dans le scandale du chlordécone, puisque depuis le 2 janvier 2023, nous avons, nous les avocats des parties civiles, reçu l'ordonnance de non-lieu. Ça veut dire qu'on veut nous envoyer dans les néants de l'histoire judiciaire et que ce qui s'est passé, le drame humain
et la pollution que nous avons eue en Martinique et en Guadeloupe n'a jamais existé. Et ça, c'est inacceptable. Le non-lieu, c'est que c'est pas que la pollution n'a pas eu lieu, c'est que l'État n'est pas responsable de la pollution. C'était pas ça le non-lieu ? Non, non, pas du tout. C'est que la pollution n'a pas eu lieu. L'État est... Il faut bien, bien comprendre que là, lors du vote de cette loi, il y a une responsabilité qui a été recherchée. C'est la responsabilité de l'État. Il y a eu des délits, il y a eu un crime d'empoisonnement. Les parties civiles ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, pour empoisonnement et pour une autre raison qui nous semble essentielle, c'est non-assistance à peuple en danger. Attendez, mais le non-lieu du juge, c'était ça, pour moi. Le non-lieu arrive après une période d'instruction où, au motif qu'il y aurait eu prescription à la fois des délits et du crime d'empoisonnement, il ne peut pas y avoir un procès. Ce qui veut dire que, quand on regarde cette situation et que nous parlons de déni de justice, ça veut dire qu'on nous refuse le droit d'avoir accès à la justice. Parce que jusqu'à ce jour, il faut bien que les Martiniquais qui nous entendent comprennent cela, il n'y a pas encore eu d'affaire du chlordécone. Il y a eu un empoisonnement, donc un crime, si on, au regard du code pénal français. Or, jamais nous n'avons eu un juge d'instruction qui soit venu sur les lieux du crime. Jamais les auteurs présumés n'ont été entendus. Jamais les témoins de ce drame, qui sont les ouvriers agricoles et les exploitants agricoles, n'ont été entendus malgré les interventions des différents avocats. Okay. Est-ce qu'un crime est prescriptible ? Est-ce qu'il peut y avoir une prescription pour un crime ? Oui, il peut y avoir une prescription pour un crime, bon. Pour un délit également. D'accord. Trois ans dans un cas, et là, c'est 20 ans. Mais or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est ce que nous avons appris. Dès lors que le crime continue, dès lors que l'empoisonnement continue, dès lors que nous avons une situation également délictuelle où, là encore, au mépris du droit élémentaire, puisqu'il y a eu des saisies de chlordécone après 1993, c'est-à-dire après la date de fin d'utilisation du chlordécone, du retrait de l'autorisation de mise sur le marché du chlordécone, retrait de l'AMM, nous constatons, et nous avons des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux du substitut de la République, procès-verbaux également de la Direction générale de la répression des fraudes, qui constatent, nonobstant cette interdiction, le chlordécone continuait à être vendu et utilisé malgré la connaissance de sa toxicité. Ok. Jusqu'à quelle date ? Nous sommes remontés jusqu'à 2005. Il y a donc 2007, jusqu'à 2005, il n'y a pas de prescription. Dès lors que la première plainte a été introduite par une association de Guadeloupe qui regroupait une vingtaine d'associations d'ailleurs, par Harry Durimel, 22 associations et un pôle d'avocats, il s'était constitué partie civile en 2006. En juin 2007, à la fois en Martinique, à la fois l'Association pour une écologie urbaine et la SOPAMAR ont également porté plainte. Donc, c'est ça le sujet du faux débat, puisque le procureur de Paris, Rémi Hertz, qui vient d'être nommé premier président de la Cour de cassation, il a donné une interview dans le France Antilles sur deux pages, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au moment où les parties civiles ont introduit leur plainte, il y avait déjà prescription. Nous contestons et nous sommes en mesure de démontrer qu'au moment où effectivement nous avons déposé les plaintes, l'affaire n'était pas prescrite, le crime n'était pas prescrit. Et les délits qu'il y avait également n'étaient pas prescrits. D'accord.
Mais le juge estime, lui, qu'il y avait prescription. Le juge a... Donc, c'est un débat entre vous. Le juge a suivi, et il a pris une ordonnance dans le même sens que le procureur de Paris. Et malheureusement, il y a beaucoup de failles dans cette instruction qui a duré plus de 14 ans. Et quand on parlait tout à l'heure d'une justice qui soit dans des délais raisonnables, ben c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que nous devons avoir droit à un procès équitable devant des juridictions dans des délais raisonnables. Ce n'est pas le cas et là encore, la France se singularise une fois de plus. D'accord. Si vous me donnez un coup de poing et que vous me faites mal, vous me blessez, je saigne, etc. Qu'est-ce que je pourrais obtenir d'un tribunal? Est-ce que je pourrais obtenir des indemnités, des dommages et intérêts, réparation? Est-ce que tous ces mots-là ont le même sens? Ces mots n'ont pas le même sens. Vous avez une responsabilité qui doit être établie. Je préfère que l'on reste sur le sujet de l'empoisonnement au chlordécone. Ne vous inquiétez pas, on y reste. Je ne suis pas inquiet. Je vous dis. Vous préférez, je dis, vous inquiétez non, non, pas. Non, on y est, vous inquiétez pas. Vous voulez faire les questions et les réponses ou vous permettez non, que je puisse m'exprimer? Je veux dire que nous n'en sortons pas, quoi oui, vous pensiez. Mais je ne suis pas tenu de suivre votre métaphore qui me semble inappropriée en l'espèce. Vous n'en savez parce rien que, Monsieur Larocher, oui. Nous avons des téléspectateurs qui nous regardent. Certains sont sur des lits d'hôpitaux. Certains sont en phase terminale de cancer de la prostate. Certains ont été, malgré à l'issue de leur plein gré, contaminés. Ils ont bu une eau qui était gorgée de chlordécone pendant des décennies. Et actuellement, ils sont en phase terminale. Donc nous ne pouvons pas prendre des métaphores de coups de poing et de saignement et respecter cette population où 90% de la population actuellement contient du chlordécone. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Et avec des incidences, dont une des incidences, ce n'est pas la seule, qui est le cancer de la prostate. Et je vous rappelle que nous avons le cancer, la prévalence du cancer de la prostate la plus élevée au monde. OK. Au moment où Raphaël Confier et moi, nous avons dénoncé... une seconde. Attendez. Vous n'avez jamais fait d'études au Mali, en Guinée ou n'importe quoi sur les cancers de la prostate. Vous ne pouvez pas dire au monde. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est notre débat. Mais objection là-dessus. Objection complète là-dessus. Vous savez, il y a un minimum de recherche, de travaux à faire pour pouvoir informer. Or, vous informez les Martiniquais à partir, je dirais, d'approximation, puisqu'il y a ce qu'on appelle le registre international du cancer. Que je connais. Et ce registre international du cancer, par catégorie de cancer, classe au moment où, c'est ce que j'allais vous dire, où Raphaël Confier et moi, nous avons publié le livre chronique d'un empoisonnement annoncé, Le scandale du chlordécone aux Antilles françaises, nous n'avions pas la prévalence du cancer la plus élevée. Nous étions juste derrière les États-Unis. Or, avec un tableau où on constatait effectivement les pays où il y a une très forte utilisation et consommation de pesticides, il y a une prévalence du cancer, notamment de la prostate, qui est élevée. Ce sont des facteurs environnementaux qui sont là et les scientifiques vous disent certains cancers, c'est 20% de génétique et 80% de facteurs environnementaux. Dans ce cas-là, et contrairement à ce que vous venez de dire, il y a un tableau de ce registre et qui montre, y compris pour des populations comme Haïti ou la Jamaïque où il y a une forte population d'afro-descendants, n'oubliez pas, on a dit, ouais, mais c'est parce que c'était des afro-descendants qu'ils avaient une tendance à avoir le cancer de la prostate. Non, ce sont les facteurs environnementaux qui font qu'aujourd'hui, nous avons cette prévalence. On a dépassé les États-Unis et cela, nous ne pouvons pas le tolérer. Et pour revenir à notre discussion sur la loi, la proposition de loi, la proposition de loi vise à la dépollution, la reconnaissance de la responsabilité de l'État, la dépollution et l'indemnisation des victimes. C'est exactement ça. Oui. Vous n'avez pas les métaphores et c'est dommage. Parce que là, vous venez parler d'indemnisation. Okay. Je voulais vous inviter, puisque vous êtes avocat précisément, à nous faire la différence entre indemnisation
et réparation, est-ce qu'il y a une différence? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un coup de poing, mais un coup de poing, serais-je réparé ou serais-je indemnisé? Est-ce que c'est la même chose? C'est la première chose. Deux secondes. La deuxième chose, M. Boutrin, il y a des centaines de millions de gens dans le monde qui n'ont jamais vu un médecin de leur vie, qui sont morts du cancer de la prostate sans que personne ne sache. Des millions, des centaines de millions dans le monde. Donc quand vous me parlez des chiffres, etc., c'est du bidon. Ils n'ont jamais vu de médecin, ils n'ont jamais eu accès à la santé, ils n'ont jamais... Et donc cette histoire que vous avez de toujours nous dire « Ouais, vous êtes les Martiniquais, vous êtes ceux-ci, les plus atteints du cancer de la prostate dans le monde, les plus contaminés dans le monde. » Non, arrêtez ça. Moi, je ne me victimise pas à ce point-là. Je ne suis pas le pire de ce qui existe dans le monde. Loin de là. En matière de santé publique, vous ne pouvez pas... écarté de revers de main ou avec, je dirais, des effets de manche, comme vous venez de le faire, hein, vous ne pouvez pas écarter de revers de main une réalité. La réalité, même si elle est douloureuse, et c'est un drame humain que nous vivons, vous ne pouvez pas nier cette prévalence du cancer de la prostate. On le fait pour d'autres pathologies, on le fait pour les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, où on sait que telle ou telle population est plus vulnérable, telle et telle population est plus concernée par les infarctus du myocarde, par les accidents vasculaires cérébraux ou par les cancers. Et force est de constater que malheureusement pour notre population, nous avons cette prévalence du cancer. Et là encore, ce n'est pas un hasard si les scientifiques et les chercheurs qui travaillent de l'INSERM, qui travaillent là-dessus, notamment en Guadeloupe, le professeur Branchet, ils établissent des études qui sont publiées dans des revues internationales, et ce sont des études comparatives et qui permettent d'établir ces prévalences. Donc là, M. Larocher, entre vos effets de manche, vos propos approximatifs et les travaux des scientifiques de l'INSERM, là encore, mon choix est fait. Indemnisation et réparation, quelle différence y a ? Alors, l'indemnisation, c'est ce que nous demandons, c'est l'indemnisation du préjudice subi. Alors, dans la séquence du chlordécone, il y a eu le fait générateur, qui est l'utilisation d'un pesticide qui était interdit depuis 1976, dont la toxicité était connue par la communauté scientifique, et pourtant, cette molécule a été rachetée aux mains des Américains, qui n'en produisaient plus, synthétisée à Béziers, fabriquée au Brésil et importée en Martinique et en Guadeloupe. Nous disons aujourd'hui, le fait générateur, qui est l'utilisation du chlordécone, a eu comme conséquence un préjudice environnemental, puisque nous voyons que les terres sont polluées, les cours d'eau, les rivières sont polluées, et le littoral est également pollué. Autre conséquence, autre préjudice, c'est un préjudice humain, puisque nous avons du chlordécone dans notre sang, avec toutes les conséquences, toutes les pathologies qui en découlent. Donc, pour pouvoir, aujourd'hui, face à ce préjudice, il va bien falloir indemniser les victimes. Et c'est pour ça qu'on parle de réparation. On va réparer, et l'État a cette obligation de réparer les dégâts, de réparer toutes ces... On a vu pendant toute une chaîne de responsabilités ces manquements graves, et je vous l'ai dit tout à l'heure, un des devoirs de l'État, c'est une obligation constitutionnelle, c'est de veiller sur la santé des populations. Et l'État français n'a pas veillé sur la santé de nos populations. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris ça. Mais vous ne me dites toujours pas s'il y a une différence entre indemniser quelqu'un ou réparer. On indemnise un préjudice, oui, et on répare tous les méfaits. D'accord. Si je vais au tribunal, oui, je vais obtenir des dommages et intérêts. Tout à fait. Est-ce que je peux obtenir une réparation? Ce sera une forme de réparation. Attends, c'est la reconnaissance. Dommages intérêts ou des réparations? La reconnaissance de votre préjudice et l'indemnisation de votre préjudice va constituer une réparation. D'accord. Mais ce sont une indemnisation. J'ai subi un préjudice et on m'indemnise. On est d'accord? Oui. Mais c'est ce qui s'est passé, par exemple, après les essais nucléaires de Muroa, okay, en Polynésie française. Non, mais on est d'accord. Donc, les gens sont indemnisés. Oui. Okay. Pour être indemnisé, il faut pouvoir prouver un préjudice. D'accord ? Vous venez de dire, sans faire d'effet de manche, que
Nous avons du chlordécone dans le sang. Il nous a été proposé très récemment, il nous est proposé encore aujourd'hui. Nous, Martiniquais, il nous est proposé d'aller vérifier si oui ou non nous avons du chlordécone dans notre sang. Pour le savoir, il aurait fallu, quand nous avons une école publique, où il y a beaucoup de gens dans ces écoles, il aurait suffi d'aller faire des tests dans les écoles, un peu dans partout, et on l'aurait su. On ne l'a pas fait. Les Martiniquais, dans leur immense majorité, ne se sont pas fait tester au chlordécone. Okay? Mais vous ne pouvez pas venir nous dire « nous avons du chlordécone dans le sang ». Parce que vous êtes en train de décrire des Martiniquais qui sont des gens sous machin, quoi. On a du chlordécone, on a des séquelles de l'esclavage, on a tous les problèmes du monde. Eh bien non, il y a un tas de Martiniquais qui n'ont pas de chlordécone dans le sang. Alors, M. Larcher, ne me prêtez pas à vos intentions. Quand j'interviens et je fais référence à, pour un exemple, à un chiffre, 90%, ce n'est pas le chiffre de Martinique Écologie de Louis Boutrin ou d'un petit groupe. Mais justement, pourquoi vous n'avez pas fait campagne pour que les Martiniquais se fassent tester Je ne vous ai jamais entendu quand il y avait la crise du Covid, où tous les soirs à la télévision, Santé publique France donnait les chiffres du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de décès, parce que quand on a en face à soi une épidémie, il y a des données épidémiologiques. Or là, nous avons eu cette contamination au chlordécone et il y a une étude épidémiologique qui a été effectuée au niveau de la population. C'est pour cela que Santé publique France sort ce chiffre. Mais je ne vois pas pourquoi, systématiquement, vous, de manière, je dirais, vous avez cette espèce de posture de tardigrade, vous voulez méconnaître tardigrade, la science. Ça veut dire quoi? Vous vivez en retard. Hein. Vous vivez, mais oui, mais dans vous, le siècle dernier. Dans le même passé, au 15e siècle. Dans le passé, et vous refusez, je dirais, les réalités, les données de la science. Elles sont pas fiables à 100%, mais à défaut, je dirais, de rien, c'est quand même, elles ont le mérite d'exister, ces études. Et ces études nous démontrent qu'il y a, pour moi, c'est un non-débat. On ne peut pas systématiquement passer son temps à remettre en cause ce type de données. Ceci m'autorise à vous dire que vous êtes quelque peu tardigrade. Okay, mais c'est pas grave. Oui. Vous instrumentalisez les statistiques, vous les instrumentalisez, vous les mettez au service de vos propres thèses. Je vous répète que nous avons la chance de faire partie d'un pays développé qui nous a proposé et qui nous propose encore de nous faire tester. Donc je m'en fous, je le répète, de ce que dit l'INSERM et les autres, parce que nous pouvons nous faire tester, pratiquement, quoi. Et les gens qui se sont fait tester, on s'est rendu compte qu'on est loin des 90% dont parle. Oui, on est loin. Ah bon? Oui, vous pouvez nous passer, parce que informez-nous, donnez-nous les références des études, les chercheurs qui ont effectué. Ce sont des statistiques, des ressentiments. C'est-à-dire que sur 20 personnes qui se sont fait tester effectivement en Martinique, on sait combien ont le chlordécone. Alors, okay, et c'est loin d'être 90%. On va faire le parallèle. C'est un fait, ça. Avec un autre cas de figure qui est celui des essais nucléaires effectués par la France dans le Pacifique à Muroir. Pourquoi? Parce qu'il y a un parallèle à faire. Il y a une loi, il y a une proposition de loi qui est en train d'être discutée au Parlement actuellement. Or, le 5 janvier 2010, il y a une loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et il y a même un comité d'indemnisation qui a été mis sur place. Donc, plutôt que de se chamailler sur, je dirais, des statistiques ou pas, regardons comment que la France a géré ce problème à partir justement d'une loi et quelles ont été les suites. Et nous devons, et c'est pour ça que je dis que nous devons être vigilants, parce que cette affaire a été mise aux mains du ministère des Armées, puisque c'est l'armée qui faisait les essais nucléaires à ciel ouvert dans le Pacifique. Et quand il a fallu indemniser, on arrive à cette conclusion qu'il y a très peu d'indemnisation et la loi est très peu appliquée. Pour que ça ne puisse pas nous arriver demain, et je mets en garde, je dirais, les confrères et également tous ceux qui militent pour cette cause,
ce n'est pas parce que nous militons et nous voulons qu'il y ait effectivement une reconnaissance par la loi de la responsabilité de l'État que nous aurons les portes ouvertes pour l'indemnisation et la dépollution. Pour l'indemnisation, on le voit, il y a eu très peu de dossiers qui ont été éligibles par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. On constate également, et ça, c'est, on doit retenir la leçon, qu'il n'y a pas d'indépendance entre le ministère des armées qui gère et la population. C'est pour ça que la proposition que nous faisons à Martinique Écologie, c'est qu'il y ait une autorité administrative indépendante pour gérer la suite. Une fois que la loi sera votée, nous sommes favorables à ce que cette loi soit votée, pour que l'on puisse avoir la garantie d'une indemnisation, on doit changer la donne. On doit faire en sorte qu'il y ait un contrôle. Contrôle de l'État, de l'action et du suivi de l'État, par cette autorité qui est indépendante, et surtout, et ça c'est important, que les fonds dédiés soient réellement utilisés. Quand on nous dit qu'il y a 33%, 33 millions d'euros pendant 3-4 ans pour les plans chlordécone, mais j'étais en préfecture, j'ai interrogé les différents préfets, je représentais le président du conseil exécutif, je lui ai dit, mais donnez-nous les bilans chiffrés de l'utilisation qui a été faite de cet argent. À quel moment a-t-on mis dans ces plans chlordécone, dont on annonçait systématiquement 33 millions d'euros, cet argent au service de la décontamination des sols? Il y a actuellement des techniques de phytoremédiation, c'est-à-dire on utilise le pouvoir absorbant des plantes pour pouvoir dépolluer les sols. Ça se fait par exemple au Canada, en Australie. Personnellement, je suis allé en mission à Cuba et dans un institut qui s'occupe de dépollution des sols. Ce n'est pas de la théorie, ils ont des parcelles, ils ont fait ces expériences, et nous pouvons nous adjoindre des travaux des Australiens, des Canadiens et des Cubains pour pouvoir concrètement dépolluer les sols. Il ne suffit pas de faire voter une loi. Donc c'est pour cela que nous disons aujourd'hui, en ce qui concerne cette étape, c'est une étape nécessaire, nous devons nous réjouir si cette loi est votée, mais nous devons garder notre vigilance parce que l'expérience de la Polynésie française et des essais nucléaires nous prouve que l'État continue à ruser avec ses propres lois, avec ses propres tresses. Quand même, je veux dire que ce que vous faites là, M. Boutrin, ce n'est pas bien. Vous êtes sur le plan de la moralité, vous jugez le bien et le mal, vous êtes comme l'oncle Sam, là. Est-ce que vous observez que quand vous parlez, je vous laisse vraiment beaucoup parler, il n'y a aucun souci. Si vous voulez bien me laisser 30 secondes, pour vous dire que on a de dommages et intérêts que si on a un préjudice, que si on a subi un préjudice. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent partout en Martinique, et vous aussi, pour dire aux gens, portez-vous partie civile, portez-vous partie civile. Et donc, il vous suffit de vous porter partie civile, par centaines, par milliers, il y aura même 360 000 habitants qui vont se porter partie civile. Et puis ils vont demander réparation, ils vont demander des indemnités. C'est une escroquerie, il faut dire le mot tel que c'est. C'est lorsqu'on a subi un préjudice qu'on est indemnisé. Il faut donc pouvoir, justifier le préjudice. Ce ne sera pas les statistiques de l'ICERM, ce ne sera pas tout ce cinéma-là. C'est vous qui allez dire, ben voilà, j'ai un cancer de la prostate, on a découvert que j'ai tant de chlordécone dans le sang, etc. C'est ça qui est sérieux. Alors, tant que vous n'aurez pas ce discours-là, c'est un peu plus particulier, alors, ce que vous faites. Non, ce que je souhaiterais vous préciser, il n'y a pas 360 000 Martiniquais qui sont allés malheureusement se constituer partie civile. Oui, quand vous dites malheureusement. Donc vous pensez que c'est important d'être partie civile. Je vais m'expliquer. Et je le regrette. Il y a actuellement à peine 600 Martiniquais qui se soient portés partie civile dans l'action qui a été entreprise récemment. Or, vous venez de dire quelque chose qui est très juste. Il faut prouver le lien de causalité direct et certain entre le fait qu'on a été contaminé par le chlordécone et qu'on ait développé une pathologie. Et c'est ce lien de causalité
direct et certain en droit qui faisait défaut et qui fait défaut toujours pour nous. En Polynésie française, c'était la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, avec la loi du 5 janvier 2010, pu obtenir que l'on puisse avoir un renversement de la charge de la preuve. Ce qui veut dire que c'est à l'État de démontrer que les pathologies que l'on rencontre là ne sont pas dues à la radioactivité nucléaire. Donc, c'est essentiel ce qui s'est passé, puisqu'il y a une notion nouvelle depuis 2010, qui est la notion en droit, de présomption de causalité. Puisque nous ne pouvons pas prouver qu'il y a un lien direct et certain, puisqu'on dit qu'il y a une probabilité, dans le rapport Multinier notamment, qui est le dernier rapport du professeur Multinier, en Polynésie, pour les essais nucléaires, ils ont accepté que ça soit une présomption de causalité. Donc, nous avons un combat à mener demain, une fois que cette loi sera votée, et c'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose, on franchit un pas, un autre pas, de manière à ce que l'on puisse... Monsieur Larouchet, je vous ai dit, ce sujet, je peux plaisanter surtout, mais sur ce sujet, je crois que la situation est beaucoup trop grave. Je ne peux même pas avoir un rictus de réflexe là-dessus. Non. Ayez l'amabilité de me laisser avoir des rictus de réflexe, comme vous dites. Ça veut dire que quelqu'un qui a vécu toute sa vie en France, qui arrive en Martinique, qui habite dans le sud de la Martinique, pourra se faire dédommager contre le chlordécone. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais ça, c'est vous qui déduisez ça. Mais non, on ne va pas indemniser. On ne va pas indemniser un citoyen, tant bien même qu'il se soit constitué partie civile, s'il n'arrive pas à prouver. Vous venez de dire que c'est l'État qui doit. Il n'a rien à prouver, la présomption. Je vous ai donné, et il faut écouter ce que je dis, l'exemple de la Polynésie. Pourquoi vous l'avez donné? Je le dis parce que nous sommes face à une difficulté et que cette difficulté, elle n'est pas insurmontable. On peut s'inspirer de cette expérience. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'exposé des motifs qui a été présenté lors des débats à l'Assemblée nationale, on a évoqué l'amiante, on a évoqué les essais nucléaires en Polynésie française. D'accord. Bien, on peut changer de sujet. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? De quoi vous voulez parler? Il y a le chlordécone. Il y a quoi encore dans l'actualité? La séance de travail sur l'autonomie en l'inscription de la Corse. Là aussi, on peut avoir une lecture qui est, je dirais, complètement différente. Quel mot vous avez employé là? Vous avez employé un mot à l'instant. Lecture. Non, avant. J'ai cru entendre l'autonomie. Oui. Mais on ne parle pas d'autonomie, on parle d'évolution institutionnelle. Pourquoi vous parlez d'autonomie? On va expliquer tranquillement. Il y a actuellement, aussi bien pour la Corse que pour la Guyane, que pour la Nouvelle-Calédonie, des évolutions statutaires qui s'inscrivent aujourd'hui dans une démarche de dialogue avec le gouvernement français. Nous devons expliquer aux Martiniquais de manière, je dirais, très claire. Il faut dédramatiser et puis ne pas faire une fixation sur les mots. Quand on parle d'autonomie, c'est le rapport qu'aura la Corse avec l'État central. La France n'est pas un État fédéral, donc la France ne veut pas déléguer un certain nombre de pouvoirs, notamment les pouvoirs normatifs aux régions. Et aujourd'hui, il y a une région qui est la Corse, un territoire plutôt, qui est la collectivité de Corse, qui est en passe de faire inscrire l'autonomie, le fait de décider soi-même suivant un principe de proximité qu'on appelle en droit le principe de subsidiarité, eux-mêmes en Corse, de ce qu'ils souhaitent pour le peuple corse. Et cela, nous regardons cette séquence avec intérêt. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que je constate qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, qui est également ministre de l'Outre-mer, reçoit les élus corses
pour pouvoir négocier à partir de propositions qu'ils font. Et de l'autre côté, on a un président de la République qui veut infantiliser le peuple martiniquais, puisqu'il nous envoie deux émissaires, deux experts, pour nous accompagner dans nos choix, alors même que nous avons déjà débattu de ces questions lors du Congrès, alors même que depuis le 7 décembre 2003, ça fait plus de 20 ans que nous débattons de ces questions, mais non, nous, les propositions qui émanent du Congrès et de notre Assemblée ne sont pas prises en compte. Et il faut qu'il y ait deux émissaires. Alors, ce deux poids, deux mesures, j'entends bien le discours qui est tenu parallèlement. Il dit, ouais, mais vous n'arrivez pas à gérer les affaires de la Martinique. Et par anticipation, je le dis, puisque je vous ai déjà entendu également tenir ces propos. Il n'y a pas que les chroniqueurs de service qui le disent. Vous n'arrivez pas à régler le problème de l'eau, vous n'arrivez pas à régler le problème des déchets, le problème des transports. On n'a même parlé de cette façon-là, mais peu importe. Ouais, et que bon, mais c'est ce que, avec ce discours subliminal, que l'on fait entrer dans la tête des Martiniquais. Or, pour la Corse, prenons l'exemple de la Corse. Est-ce que vous croyez, honnêtement, en matière de déchets, c'est une défaillance totale. Là que nous sommes arrivés déjà en Martinique, ils en sont bien loin. J'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec Gilles Simeoni, qui est le président de la collectivité territoriale de Corse. La gestion des déchets en Corse est chaotique. Deuxièmement, et je le dis avec le plus grand respect pour le peuple corse, hein, ce n'est pas, je dirais, ni un mépris, ni un jugement. C'est un constat, un fait. Et ce fait établi, on peut le voir également en ce qui concerne la matière de transport. Allez en Corse, vous verrez. Nous avons en Martinique pu mettre en place un système de transport qui n'est pas, je dirais, optimal, qui est perfectible, mais qui a le mérite de desservir la population de 5h30 du matin jusqu'à 21h. Et toutes les communes. Aucune commune n'est oubliée. Avec un maillage très fin. Maintenant, bien sûr, il y a le dernier kilomètre à développer, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, c'est entre l'arrêt et la résidence, hein, puisqu'on ne peut pas amener un transport à chaque résidence. Pour autant, on en est bien loin en Corse. Vous avez une possibilité, si vous êtes en milieu urbain, dans des grandes villes comme Bastia et Ajaccio, d'avoir un transport urbain. Mais si vous voulez aller dans les terres, si vous voulez aller en montagne, il y a une ruralité qui est très développée en Corse. Vous n'avez pas de transport commun. Vous avez deux lignes de chemin de fer, Calvi et Ajaccio-Bastia, mais vous êtes obligé de prendre votre véhicule individuel ou un taxi. Il n'y a pas de transport en commun aussi bien organisé que chez nous. Déchets chaotiques, transport irrégulier, peu développé. Venons-en à l'eau. La Corse fait partie de l'agence Rhône-Alpes, Côte d'Azur, Corse. Aujourd'hui, regardez le rapport de la Cour des comptes 2023. Vous allez voir, on a épinglé la gestion chaotique de l'eau en Corse. 70% de l'eau produite, c'est l'agriculture. C'est pour l'agriculture. Et l'agriculture ne donne que 28% des recettes. Donc, il y a un déséquilibre et un déficit considérable, abyssal. Alors, si vous me regardez et vous me dites, mais où est-ce qu'il va en venir? La question de l'eau. C'est exactement ça. La question de l'eau, la question des déchets, la question du transport, pour lesquels, effectivement, nous ne sommes pas si performants que ça. Mais quand on fait une approche comparative, nous sommes loin de la réalité que vivent les Corses. Or, est-ce que pour autant, le gouvernement est dans les pourparlers, il y a cette posture de régler d'abord ces problèmes et après on va voir les questions institutionnelles? Non. Parce qu'en fait, c'est le cadre institutionnel qui va conditionner
le développement, à la fois le développement humain et également le développement économique, social et environnemental. Et c'est ce constat qui est un constat partagé par d'autres territoires, y compris par la Guyane, qui fait qu'aujourd'hui, ces territoires demandent à gérer elles-mêmes leurs propres affaires. Alors nous, qu'est-ce qu'on demande à Martinique Écologie? On dit la chose suivante. Un, on souhaiterait effectivement avoir un transfert de compétences. Deux, on souhaiterait avoir les pouvoirs normatifs autonomes qui nous permettent d'exercer ces compétences. Trois, on souhaiterait qu'il y ait un cadre institutionnel qui soit différent. Et nous faisons des propositions. L'idéal, ce serait qu'il y ait une fusion entre les articles 73 et 74 de la Constitution, et puis on voterait une loi organique, comme ça a été fait pour Saint-Martin et pour Saint-Barth, de manière à préciser les compétences que l'on souhaiterait, et également les pouvoirs normatifs que l'on souhaiterait avec. Donc, le débat actuel, le débat institutionnel, c'est-à-dire l'organisation des institutions, départements, régions, collectivités uniques ou pas, et le débat statutaire, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire de confusion, les rapports que l'on souhaiterait avoir avec l'État central, cela est en discussion actuellement et nous ne pouvons pas être aux abonnés absents. Et c'est ce que nous devons le dire ensemble, de manière unitaire, sans, je dirais, en s'affranchissant des postures politiciennes habituelles. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une révision de la Constitution pour la Corse, pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, et très certainement pour la Guyane, parce que les Guyanais ne font pas prendre la blague, ils l'ont déjà dit, et je soutiens fortement la position des Guyanais, et notamment du président Gabriel Serville, parce que ça fait des années que nous voulons changer le cadre. On ne peut pas assister, là, les bras croisés, à cette jeunesse qui s'en va, à cette absence de perspective et le fait qu'il y ait un développement qui soit un développement d'une économie contraire où nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts et la pauvreté qui augmente dans ce pays et surtout, on a vu le corollaire, c'est la violence pour laquelle on demeure impuissant et l'État français également demeure impuissant. Donc, c'est tout cela. Quand on parle d'évolution institutionnelle ou statutaire, c'est cela l'objectif. C'est avant tout de développement humain et économique dont il s'agit. D'accord. Donc on revient au débat qui existe en Martinique depuis des dizaines d'années, c'est l'autonomie contre la départementalisation. Que vous le voulez ou non, c'est ça qui se passe là. Ce qu'ont obtenu les Corses, c'est exactement ce que vous sollicitez. Ma question est la suivante. Est-ce que les Corses, c'est une région ultra-périphérique de la France? Est-ce que les Corses, sur la Corse, fait partie de ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques? Non, vous avez la réponse. Vous savez que la Corse ne fait pas partie des régions ultra-périphériques. Donc, ça peut justifier qu'elle ait eu un traitement particulier, puisqu'elle n'a pas exactement le même statut, elle n'a pas du tout le même statut que nous. Donc, ça peut justifier qu'il y ait un traitement particulier. Quand vous parlez de... Non, de normes, que la Corse a le droit d'avoir des normes. C'est à l'intérieur d'une loi organique, quand même. La France ne devient pas un État fédéral où la Corse va faire ce qu'elle veut. C'est à l'intérieur de... Ce sont des compétences encadrées par une loi organique votée par la France, bien entendu. Mais c'est là où je veux en venir avec vous, c'est que pourquoi, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était le 10 janvier 2010, les Martiniquais ont été interrogés sur le fait, ce qu'ils voulaient, un peu plus de liberté, quoi, un peu plus d'autonomie quelque part. Ils ont répondu non. Donc le débat revient. Et ils ont répondu non quand? Le 10 janvier 2010, il y a 14 ans. Et donc le débat peut revenir. Et en 2024, vous pensez que l'opinion n'a pas évolué? Je ne pense rien. Je suis en train de vous dire, ça peut absolument évoluer. Donc on va là vers un véritable débat qu'on connaît depuis des dizaines d'années entre l'autonomie et puis la départementalisation. D'ailleurs, M. Le Sieur ne s'y est pas trompé, qui a déjà réagi à ça. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Alors, Monsieur Le Sieur, je respecte sa position. Ce serait bien que l'on puisse avoir un débat contradictoire. Et quand on organise un congrès,
des élus, c'est justement l'objet du Congrès, c'est qu'on puisse confronter les points de vue. Peut-être qu'il a raison, mais il faudrait qu'il le démontre. Et il faudrait que, à l'issue de ce débat, que son point de vue soit majoritaire. Or, vous le savez, la droite est archi-minoritaire, c'est une droite conservatrice qui, depuis longtemps, pose le problème en termes de largage, alors que vous voyez bien que je ne suis pas dans des propos d'assimilation ou de rupture. Le propos, je le répète, c'est cette préoccupation que nous avons au quotidien, et nous constatons qu'il y a 3500, 4000 jeunes qui s'en vont, nous constatons qu'il n'y a pas de perspective pour cette jeunesse, que la conséquence, c'est que le pays, ceux qui sont en âge de procréer s'en vont, et que le pays est en train de se dévitaliser, se dépeupler, des écoles ferment, donc des librairies ferment, des emplois sont perdus, des cantines scolaires ferment, donc il y a là toute une chaîne de l'économie, tout un pan de l'économie qui est en train de s'affaisser, parce que nous n'arrivons pas à régler ce problème démographique. Mais pour que l'on puisse régler ce problème démographique, il faut donner de la perspective à cette jeunesse. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de postures qui sont, là encore, des postures d'un autre temps, sans pouvoir justifier. Rien ne justifie le statu quo. Tout le monde fait le même constat que le statu quo est insoutenable. Bien sûr, il y a une infime minorité qui tire des profits de cette situation, mais nous, majoritairement, le peuple martiniquais n'est pas satisfait de ce qui se passe. Nous avons trop de matières grises dans ce pays, trop de potentialités pour pouvoir être dans cette situation de dépendance et dans cette situation économique. C'est pour cela que je n'ai pas de fétichisme pour les mots autonomie ou autre. Ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut un cadre institutionnel qui soit adapté à nos aspirations et à notre soif de développement. Autrement dit, si le cadre institutionnel change, nos jeunes ne partiront plus, nos femmes feront plus d'enfants, enfin, tout va se régler, quoi. Alors, de manière caricaturale... C'est ce que vous voulez dire. Non, de manière caricaturale, j'ai presque envie de dire oui. Et on est en mesure de le démontrer, M. Larocher. Non, mais je ne vais pas vous demander de le démontrer, parce que vous seriez très embêté, très gêné, parce qu'il n'y a pas de démonstration à ça. Il n'y a pas de démonstration. Non. Alors, si bien vous faites les questions et les réponses. Donc, ce constat, c'est un constat partagé, quelles que soient les latitudes. C'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, l'appel de Fort-de-France, où vous avez vu que ceux qui sont dans l'océan Indien, ceux qui sont dans le Pacifique, ou ceux qui sont dans la Caraïbe, dans l'océan Atlantique, ils font le même constat. Sauf qu'ils ont disparu après. Non, ils n'ont pas disparu. Après l'appel de Fort-de-France, on n'a pas vu M. Chalus se mobiliser pour rien du tout. Non. Chaque territoire... Ni Mme Bello. Chaque territoire a... sa propre sociologie, sa propre réalité et sa propre histoire politique. Donc, nous sommes respectueux des positions des uns et des autres. Pour autant, nous faisons des constats partagés sur le mal-développement. Et ce mal-développement va engendrer tout ce que vous venez de présenter de manière caricaturale. Oui, il y a des solutions à ce mal-développement, à condition qu'il y ait une volonté politique et que cette volonté politique puisse trouver un écho au niveau de nos gouvernants. Et c'est ce qui est en train de se passer pour l'exemple de la Corse. Et nous n'allons pas, rester devant la porte et se faire fermer la porte au nez. Nous allons apporter des propositions sur le plan institutionnel. Première proposition, nous disons que s'il y a une modification, une révision de la Constitution, on fait une proposition d'un article 73.1 avec un certain nombre de compétences que l'on propose. Sinon, on peut proposer également, sur le plan juridique, il y a un article spécifique pour la Corse et nous avons proposé au Congrès qu'il y ait un article spécifique pour la Martinique. Et on dira toutes les compétences que l'on souhaite avoir. Compétences, par exemple, en matière de santé. On ne va pas prendre des décisions comme ça a été fait lors du Covid, sans consulter les Martiniquais, en décidant de manière unilatérale que toutes les lois qui ont été votées pendant cette période s'appliquaient. Vous avez vu dans quelle situation ça nous a amené. Et nous disons en plus que pour exercer ces compétences, il nous faut un pouvoir normatif autonome.
Alors quand on dit ça, c'est quoi le pouvoir normatif autonome? C'est le pouvoir, c'est-à-dire la capacité que nous avons aujourd'hui d'édicter des normes, c'est-à-dire des règles générales de droit qui vont créer des obligations pour ceux à qui ils s'adressent. Donc, aujourd'hui, ce pouvoir normatif nous permettrait, en matière d'agriculture par exemple, vous avez vu la difficulté, il y a un certain nombre de financements de disponibles, mais ceux qui sont dans le besoin, les agriculteurs qui vont très certainement, on le voit, le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Mais il faut sortir de ces logiques de constat. Pourquoi les exploitations agricoles disparaissent? C'est parce qu'elles sont en difficulté financière, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et pour cela, il faut les aider. Et pour pouvoir les aider, il faut leur donner la possibilité d'avoir accès au financement. Et ce financement, M. Larouchet, on refuse de donner ces financements qui existent parce qu'ils ne sont pas éligibles au motif qu'ils ne sont pas à jour de leurs cotisations fiscales et sociales. Est-ce que l'on peut se contenter parce qu'effectivement, il y a un texte qui le dit et ce texte a été voté à Paris, nous ne pouvons pas adapter ce texte ici. Donc, les agriculteurs qui nous écoutent, qui sont à Jousseau, à Parnasse, à Beaubrois ou à Bezoudin, il faut les aider. Mais ce n'est pas parole en bouche. Concrètement, tous ces agriculteurs, ils ont moins de 13 000 euros de revenus par an. Par an. Et vous voyez qu'avec la cherté de la vie que nous avons, il n'est pas possible, concevable, un métier aussi difficile, aussi noble, mais aussi difficile, de les laisser comme cela, sans les accompagner financièrement. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain matin, mais si on ne met pas de l'argent là pour aider l'agriculture, eh bien on ne fait rien. Cela, M. Larouchet, c'est le pouvoir normatif qui nous permettra. Ces jeunes agriculteurs qui sont diplômés et qui sont sans terre, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Exemple, un pouvoir normatif nous permettrait, réglementaire, nous permettrait effectivement d'édicter un certain nombre de normes. On nous impose aujourd'hui qu'il y ait une taxe de défrichement. Nous avons 18 000 hectares de terre actuellement en friche. Or, il n'y a pas de terre pour l'agriculture. La surface agricole utile, la Martinique, est passée de 40 000 à 24 000 aujourd'hui. 24 000 hectares. Ce n'est pas suffisant. Il manque de la canne pour l'usine du Galion. Il manque des terrains pour planter des cannes. Il manque des terrains pour développer une agriculture nourricière. Et cela mérite une réforme foncière ou une réforme agraire. Mais nous n'avons pas les outils juridiques pour cela. Et si je reviens sur les terres en friche, pour pouvoir défricher un terrain qui est actuellement en friche de plus de 30 ans, il faut payer une taxe, et cette taxe, c'est 1 euro le mètre carré. Quand on sait que 1 mètre carré de terre agricole est vendu à 0,50 centimes ou à 0,60, vous voyez que la taxe coûte plus cher que le prix de vente du terrain. Et c'est un frein, justement, au défrichement et au fait que nous avons là une possibilité d'augmenter la surface agricole utile. Le pouvoir normatif fiscal en matière de transport. Depuis des années, nous avions eu un transport à risque et péril, et il faut saluer pour cela les taxicos, qui était à la charge des conducteurs et des propriétaires de taxicos. On a modernisé le transport, mais cette modernisation du transport, je vous ai dit, avant, c'était à 17h30, vous allez à Pointe-Simon, vous ne pouvez plus rentrer chez vous, c'était fini. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous 20h30, 21h, et depuis 5h30 du matin. Mais pour pouvoir couvrir tout cela, il faut financer. Le budget de Martinique Transport, c'est 148 millions d'euros. Il y a 75 millions d'euros payés par la CTM, 1 million par l'Espace Sud, 1 million par la CACEM et 500 000 euros par Cap Nord. Le complément, c'est quoi? Le complément, c'est 61 millions d'euros qui proviennent d'une taxe parafiscale sur les entreprises de plus de 11 salariés, qui est le versement transport, et depuis la loi d'orientation sur la mobilité en 2019, qui est devenu le versement mobilité. Ce versement mobilité permet à
l'établissement public de transport, Martigny Transport, de percevoir 61 millions d'euros pour parfaire son budget. Mais c'est une loi qui fixe le plafond de cette taxe. C'est plafonné à 2%. Nous sommes déjà au plafond. Or, je vous ai dit que c'est une taxe parafiscale prélevée sur les entreprises de plus de 11 salariés, les hôpitaux, les administrations et tout. Sauf que on peut moduler. Avant, c'était 9 salariés. Si nous voulons laisser à 9 salariés, on n'a pas cette possibilité. Un pouvoir normatif fiscal nous permet de le faire. Un pouvoir normatif fiscal autonome. C'est-à-dire, tant bien même que la norme nationale, c'est 11 salariés, tant bien même que la norme nationale, c'est 2% le plafond, nous, en Martinique, pour pouvoir rattraper le retard, parce qu'il faut parler de rattrapage, l'État a financé la Société nationale des chemins de fer, SNCF, l'État a financé la RATP. Pendant que l'État finançait le transport public en France, c'était nos taxicos qui assuraient les besoins de déplacement de la population. Donc l'État s'est lavé la main. Il faut sortir de ce principe de Ponce Pilate, faire en sorte qu'aujourd'hui on trouve un financement pour le transport public. Et nous pouvons multiplier, hein, c'est cet exemple que j'avais donné lors du Congrès et que d'autres reprennent, et c'est ce qui veut dire qu'il faut faire preuve de pédagogie. Et comme c'est un sujet, le pouvoir normatif fiscal, que je maîtrise bien, donc ce sont des dossiers sur lesquels nous pouvons faire des propositions au gouvernement. Et nous ne pouvons pas rester là comme ça, assister, je dirais, à ce qu'il y ait négociation avec les autres et que nos besoins ne sont pas couverts. Donc, chaque fois que nous parlons d'évolution institutionnelle ou statutaire, vous comprenez bien que nous sommes dans le concret et c'est la réalité. On se déplace tous les jours en Martinique. Juste une petite seconde. Est-ce que le transport est un secteur productif ? C'est un secteur qui est indispensable. Est-ce qu'il est productif ? C'est un secteur qui est indispensable à l'économie du pays. Est-ce qu'il est productif ? C'est un secteur. Pourquoi vous ne me répondez pas ? C'est un secteur productif, indirectement. Indirectement. Parce que quand vous comptabilisez le nombre d'heures que l'on passe. Le nombre d'heures que l'on passe dans les embouteillages. Mais tous les pays ont fait ce calcul-là, M. Larcher. C'est un service public qui a une incidence sur le développement. Si vous avez une conurbation qui a asphyxié et que vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est la mort du secteur service. Ok, d'accord, là, vous venez d'ouvrir une porte qui était déjà ouverte. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Vous rappelez que je vous avais dit de ne pas défoncer les portes ouvertes et vous essayez de me retourner la balle. Allez-y. Mais je connaissais l'expression avant que vous la disiez. Ce que je suis en train de vous dire, alors vous demandez, est-ce qu'il y a un secteur productif que vous ne pouvez pas mettre en place aujourd'hui, là, par le seul fait que nous avons le statut institutionnel que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire région ultra-périphérique. Est-ce qu'il y a un secteur productif que nous voulons développer, mais que notre statut actuel nous empêche de développer? Nous avons besoin d'outils, notamment d'outils financiers pour accompagner le développement. Et ces outils financiers, nous les maîtrisons si, un, nous avons un certain nombre de compétences, et deux, nous avons ce pouvoir normatif, à la fois fiscal, à la fois réglementaire et législatif, pour pouvoir édicter des lois pour nous permettre d'accompagner ces secteurs. Ma question est claire. Nous sommes dans un... Ma réponse est tout aussi claire. Vous voulez changer de statut pour mieux nous développer. Donc il faut développer les secteurs productifs, j'imagine. Le statut, monsieur Larouchet, c'est le régime législatif, c'est-à-dire, soit nous sommes dans l'identité législative, les lois et règlements votés à Paris s'appliquent de plein droit, soit nous sommes dans la spécialité législative, c'est-à-dire que ces lois ne vont pas s'appliquer. La norme, c'est qu'aujourd'hui, dans l'article 74, par exemple, pour Saint-Martin, toutes les lois s'appliquent de plein droit, sauf pour un certain nombre de secteurs où c'est eux qui décident. Oui. Donc, ce que l'on souhaite aussi. Ce que l'on souhaite, hein, donc,
parce que vous avez dit statut institutionnel. C'est, j'explique aux téléspectateurs, quand on parle de statut, c'est le rapport que l'on a avec la France à travers le régime législatif. Et puis, ne mélangeons pas la question institutionnelle, je répète, ce sont les institutions publiques, c'est-à-dire quel type d'organisation administrative que l'on a. Exemple, nous avions deux collectivités, une collectivité qui s'appelait la région, une deuxième collectivité, le département. On a fusionné, entre guillemets, les deux pour avoir une collectivité unique. Ça, c'est une évolution institutionnelle. Mais c'est pour pas autant, ce que vous demandez. Mais attendez, j'explique. J'explique. Vous avez parlé écoutez, de la Corse, c'est pas écoutez, par hasard. Non, non, écoutez ce qu'on dit. Il faut qu'on fasse preuve de pédagogie pour que ceux qui nous écoutent comprennent que les deux termes ne sont pas interchangeables. Si nous avons eu une évolution institutionnelle en le 24 janvier 2010, ça nous a permis d'avoir la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Pour autant, nous n'avons pas changé le régime législatif, nous sommes toujours dans l'identité législative où les lois et règlements s'appliquent de plein droit et on n'a pas le droit d'y changer. Et c'est ce que nous disons, nous voulons déplacer le curseur. Ça nécessite une modification statutaire. C'est vous qui employez aujourd'hui le mot évolution institutionnelle. Mais en réalité, c'est l'autonomie que vous demandez. Mais je vous ai dit que je ne suis pas fétichiste. Vous appelez ça autonomie. Si l'autonomie, c'est décider soi-même, oui, pourquoi pas. Ayez le courage de le dire, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Oui, à vous que je vous dis ça. Donc c'est l'autonomie. En matière de courage, vous êtes détrompé, hein, parce que je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup d'élus. Regardez les. Quand il y a un congrès... N'attaquez pas vos confrères. Laissez-moi m'exprimer librement quand même. Si je ne peux pas exprimer ma pensée et que je dois faire comme eux... Et que je dois faire comme eux, avancer avec le drapeau dans la poche et me cacher. Non, je crois qu'il y a un débat, hein, même si ce débat, je dirais, a du mal à être accepté par certains journalistes. Suivez mon regard. Ce sont des faiseurs d'opinion. Nous pouvons très bien, aujourd'hui, débattre de ces questions de manière dépassionnée et faire de la pédagogie pour que les Martiniquais comprennent ce que l'on souhaite et qu'ils puissent comprendre à la fois la relation qu'il y a entre cette revendication pour plus d'autonomie, dans les affaires qui nous concernent, d'accord, et leur quotidien, c'est-à-dire les difficultés que nous avons à pouvoir rejoindre les deux bouts, à pouvoir développer ce pays. Mais ce que je vous demande, est-ce qu'il y a une filière, un axe de développement que vous ne pouvez pas emprunter du fait que vous n'êtes pas autonome et que vous emprunterez dès le lendemain du jour, vous serez autonome. Je vous ai donné... On a parlé du transport. Non, je vous ai donné l'exemple de l'agriculture, qui est un bel exemple. Okay. Nous devons aujourd'hui... en matière d'agriculture... Nous avons une agriculture qui correspond à l'économie de comptoir. Ça veut dire que nous sommes pieds et mains liés à deux monocultures d'exportation. C'est bien quand nous avons des médailles d'or au Salon international de l'agriculture, c'est très bien. C'est bien. Nous les avons pour de l'agro-industrie. Oui, c'est l'agro-industrie. Pour du rhum, c'est pas mais pour. Oui, bon. Mais c'est, la, non, mais c'est une filière. Filière canne-sucrome. Industrielle. C'est une filière canne-sucrome, puisque la canne qui va pour le rhum ne va pas pour, pour le galion. Oui. Donc c'est des choix. D'accord. Bon. Et les propriétaires de distilleries, ils achètent la canne plus cher qu'au galion. D'accord. Ce qui fait que, par compensation, nous devons payer chaque année 1 500 000 euros d'aide à la balance pour aider les producteurs de canne à s'en sortir et l'État met la même somme, 1 500 000 euros. Donc ce qui veut dire que ce qui ne va pas dans ce cas précis au galion qui fait partie du patrimoine industriel de la CTM, ce qui ne va pas là, c'est vers la filière canne-rhum. Oui. On est d'accord. Donc on est dans l'agro-industrie, aujourd'hui, là, dans l'industrie. Aujourd'hui. Alors je demande ce que vous feriez, vous, quelle filière nouvelle, originale, vous voulez développer, mais le fait de ne pas être autonome, vous ne pouvez pas le faire. Oui. Nous avons, en matière de répartition des aides, par exemple, ce n'est pas nous qui décidons. Nous décidons de rien. Nous faisons le constat, depuis un moment, qu'il y a, pour le développement de l'agriculture,
de financement. Un premier financement, c'est le FEADER, c'est le Fonds européen agricole et pour le développement rural. Et puis, le PROSIG, c'est un plan pour aider les États comme le nôtre et pour compenser l'éloignement et l'insularité. Le handicap, oui. Je ne suis pas handicapé. Hein. Et la Martinique n'est pas handicapée non plus. Donc on ne peut pas... Le terme handicap, j'avais dit ça dans une réunion à Cayenne à Mme Lucette Michaud-Chevry, je ne me considère pas comme un handicap. Donc c'est écrit dans tous les textes, mais chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je dis non, nous avons des difficultés liées à notre éloignement et à notre insularité. C'est un handicap structurel, que vous le vouliez ou non. C'est un handicap structurel. On ferme la parenthèse. Enfin, continuons. On ferme la parenthèse. Il y a 120 millions là-dessus. Oui. Pour le POSIG. Sur les 120 millions, il y a 95 millions pour la banane. Oui. Vous faites le calcul, il reste 12 millions pour la filière animale, il reste 5 millions pour la filière canne-sucre et pour la diversification agricole, 4,9 millions. C'est cette répartition qui cause problème actuellement. Parce que 87% de ce que nous consommons provient de l'extérieur. On ne peut pas aujourd'hui accepter cette situation qui est une situation d'irresponsabilité collective. Pourquoi ? On dit, ouais, quand il y a eu le Covid, vous avez bien compris qu'au bout de 2 mois, les réserves étaient épuisées, il n'y avait plus, le bateau ne partait plus de Dunkerque, donc les étals des supermarchés, des hypermarchés étaient vides. Nous sommes retournés à une agriculture de proximité pour se nourrir. Et c'est ce que nous voulons développer. Mais quand vous regardez le budget, sur les 121 millions, vous consacrez que 4,9 millions pour cette diversification agricole, pour l'agriculture qui nourrit la population, là, il y a une vraie interrogation, là, il y a un débat à avoir en Martinique sur ces questions. Et quand je dis un débat en Martinique, c'est un débat non pas seulement au sein de la collectivité, mais un débat citoyen. Quel est notre choix aujourd'hui en matière de développement agricole et de développement économique ? On ne peut pas rester au stade du constat sans rien proposer. Mais qu'est-ce que vous proposez alors ? C'est ce que je vous demande depuis un moment. Oui, mais c'est ce que nous disons. Et pour répondre à votre question, la répartition nous est imposée parce que nous n'avons pas aujourd'hui les leviers et notamment les outils juridiques pour le faire. Un pouvoir normatif, autonome, fiscal, législatif et réglementaire le permet. D'accord. Nous allons là, dans ce cas précis, aider la petite paysannerie, puisque c'est la mort annoncée de la petite paysannerie. Il n'arrive plus à jeûner debout, surtout après le chlordécone. Une petite seconde. Donc vous allez construire des paysans, nous n'avons pas une tradition de paysans. Nous sommes plutôt des ouvriers agricoles dans l'histoire de la Martinique. Oui, mais bon, c'est... Non, c'est pas oui bon. Monsieur Laouché, vous êtes journaliste. Non, mais attendez, c'est important. Attendez, vous êtes journaliste, moi je suis avocat. J'ai du respect pour le monde agricole, j'écoute ce que les agriculteurs... Je travaille actuellement avec des agriculteurs, des exploitants agricoles. Eux, ils revendiquent le terme paysannerie. D'accord. Je vous donne un exemple. Je vous ai envoyé une invitation pour le 9 mars. Il y a un marché agricole qui se passe à Josso, à Rivière-Pilote. Le titre de cette rencontre s'appelle « Bocantage, écologie, agriculture, paysanne ». J'avais mis « agriculture ». Ils m'ont dit « Non. Ce n'est pas l'agriculture, nous, qu'à mettre, hein. Nous pas dans l'agriculture conventionnelle, hein. Nous, pas dans l'agriculture qui met en pompe à subvention les Bruxelles. Nous, c'est au quotidien, nous, quoi qu'on fait, nous, c'est des paysans. D'accord. Ils revendiquent, eux, donc c'est pas vous, c'est pas moi. Donc je suis respectueux quand je vous dis que c'est l'agriculture paysanne, et je profite pour saluer tous ceux avec Romain Bellé qui continuent à faire marcher la SICA de Fougainville à Rivière-Pilote. C'est une très bonne chose. Hein, que l'on puisse avoir ce souci permanent d'avoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Et c'est ça, l'agriculture paysanne. D'accord. Est-ce que les pays voisins, ce sont nos frères de la Caraïbe pour vous ? Oui. D'accord. Les pays voisins sont les frères de la Caraïbe. Donc ce monsieur dont vous venez de parler, qui s'enorgueillit d'être paysan,
et de produire des choses pour nous faire vivre. D'accord ? Il va produire des dachines. Seulement, il va produire des dachines avec un coût de production. Parce que c'est comme ça, on a un niveau de vie élevé en Martinique et il y a un coût de production. Et nos frères de la Caraïbe vont nous faire venir les mêmes dachines, trois fois moins cher. Et sur le marché de Fort-de-France, sur les grandes surfaces, n'importe où, si vous, M. Boutrin, vous faites des courses, ce qui ne doit pas vous arriver souvent, mais si un jour ça vous arrive, et que vous faites... Vous fréquentez pas certains marchés. Hein. Et que vous faites des courses, et que vous voyez des dachines à 3 euros le kilo, et des dachines à 1 euro le kilo, peut-être que ça, vous n'en avez rien à faire, vous prendrez les dachines à 3 kilos, parce que ça vient de la Martinique et tout ce que vous voulez. Mais les gens, et il y en a beaucoup en Martinique, qui sont à 1 euro près, parfois à 50 centimes près, vous ne les ferez pas acheter des produits des paysans martiniquais, que vous le vouliez ou non. Il faut le dire très clairement aux martiniquais, je ne vous entends pas le dire. Monsieur Larcher, vous avez beaucoup d'a priori par méconnaissance du milieu et du secteur agricole. Je vous invite, venez le 9 mars à Josso, à Fougainville, sous la SICA, vous allez voir la production martiniquaise et vous allez comprendre. Les prix sont tout à fait abordables et ils sont Moi, je les vois toute la journée dans les grandes surfaces. Hein. Mais oui, vous fréquentez que les grandes surfaces, les espaces climatisés. Il y a beaucoup de Martiniquais qui font ça. Oui, mais parce que... Il y a beaucoup de Martiniquais qui font ça. C'est des espaces de vente de proximité et c'est peut-être plus facile pour certains. Bon. Mais, vous avez vu que... On a parlé tout à l'heure du Covid, mais... On disait tout le temps, quand on a entendu ça dans notre adolescence, « Ouais, mais jouignant la djé, nous caïmo fait Martinique. » Vous avez dû entendre ça, vous. Oui. Les gens, c'était, je dirais, une espèce de rumeur collective. Bon. Mais concrètement, je vous ai dit 87%. Nous ne sommes, en matière de production, autosuffisants qu'en matière de lapins et des œufs. On est à 95% de production d'œufs et à 67% à peu près pour les lapins. Tout le reste, un produit comme le lait que l'on boit au petit déjeuner, qui permet de faire des gâteaux et tout le reste, des produits laitiers, nous sommes à 2% seulement de production dans notre consommation. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts à faire pour accompagner les producteurs de lait de Martinique, pour leur permettre d'avoir cette transition, cette modernisation, de manière à couvrir les besoins de consommation. On ne peut pas dépendre à 98% du lait que l'on importe. C'est un discours qui est intéressant. Je ne suis pas dans le discours. Mais si vous êtes dans le discours. Je parle de réalité. Non, vous ne parlez pas de réalité. Je parle de réalité que vivent des agriculteurs et je ne suis là que leur porte-parole. Attendez, vous êtes dans votre espace de confort et vous assénez un certain nombre de vérités. Je suis obligé de vous dire à halte là. Je vous pose des questions. Les produits martiniquais seront plus chers que les produits qui viennent d'ailleurs. C'est un fait. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'il faudra que nous subventionnions toute cette agriculture vivrière martiniquaise de telle façon qu'elle soit au même prix que les produits qui viennent d'ailleurs? Toutes les agricultures au monde, y compris les céréales produites au Texas, sont financées dans le pays capitaliste de l'Oncle Sam, les États-Unis. La production agricole de l'Ukraine, qui est concurrentielle à l'Europe occidentale, elle est également subventionnée. La Russie fait pareil. Tous les pays Vous essayez d'égarer des gens là. Je ne vous parle pas de l'Ukraine. Je ne vous parle pas de l'Ukraine. Non, je vous parle de financement de l'agriculture. Je vous pose une question simple. Je prends des dachines à Josso, ok, oui. Et je me rends compte qu'il me faut un certain niveau de vie. Donc mes dachines, c'est 3 euros le kilo. Bon. Mais les dachines de Dominique, c'est 2 euros, 1,50 €. Est-ce que vous êtes partisan qu'on me donne une subvention de telle façon que je puisse vendre mes dachines 1 euro? Voilà, c'est ça que je vous demande. Je vous répète que toutes les... C'est oui ou c'est non? Mais écoutez la réponse. C'est pas... Vous êtes trop manichéen. Toutes les agricultures sont financées. La France finance son agriculture. L'Europe
qui a la compétence agricole, puisque la France a transféré sa compétence à travers la politique agricole commune, la PAC. La France, c'est plus de la moitié des subventions européennes, c'est pour l'agriculture française. Tous les pays européens le font, et à travers le monde, c'est pareil. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'accompagner nos producteurs avec des aides, avec des incitations, notamment des incitations fiscales, pour pouvoir leur permettre d'être concurrentiels? Sinon, si c'est la disparition de ce secteur, nous serons dans une dépendance totale. Or, nous disons deux choses. Un, il y a un projet qui est d'agroécologie porté par l'équipe actuelle à la CTM, la majorité actuelle. Dit Banco, nous sommes en tant qu'écologistes favorables au développement de l'agroécologie. Mais, à côté de ça, il faut transformer l'agriculture martiniquaise. Et c'est pour ça que nous sommes dans une phase de transition. On doit passer de ce modèle que je viens de vous décrire de monoculture d'exportation à un modèle plus vertueux et surtout un modèle qui puisse nourrir la population. Et cela, c'est possible à trois conditions. Première condition, que l'on puisse débattre sereinement de cette question de la terre. Pas de terre, pas d'agriculture. Et le foncier qui manque, il faut le trouver. Ce n'est pas avec les 500 hectares de la banque. Vous allez exproprier qui ? Non, ce n'est pas. Vous allez exproprier qui ? Ce sont des dispositifs. Je vous ai dit qu'il y a 18 000 hectares actuellement que l'on peut reconvertir. C'était des terres à vocation agricole qui ont perdu cette vocation. Toutes les terres agricoles ne sont pas parties dans du béton. Un tiers a été consacré à l'urbanisation. Deux tiers sont partis pour les cultures spéculatives. Non, pas des cultures spéculatives. Deux tiers ont changé de vocation, ils sont devenus des terres en friche ou des terres boisées. D'accord. Donc, mais elles appartiennent à qui ? Mais c'est aux mêmes propriétaires. Mais à qui ? Mais ce sont les propriétaires fonciers qui y avaient. Donc ce sont ces mêmes propriétaires qui. Donc vous allez les exproprier ou pas ? Mais non ! Mais je comprends pourquoi pas. Vous voulez. Vous voulez les racheter ? Non, je suis propriétaire d'un foncier. Je ne fais pas de culture là-dessus. Oui. Les arbres ont poussé. Il se trouve qu'après un certain nombre de temps, les arbres sont devenus de véritables forêts. Or, maintenant, pour pouvoir défricher, je me retrouve face à cette réalité. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un outil juridique pour me permettre de passer le cap, c'est-à-dire de m'affranchir de cette taxe. Je vous signale que quand il est venu en Martinique, le président de la République, M. Macron, au Morne Rouge, lorsqu'il a fait sa déclaration, le chlordécone, on a posé ces problèmes. Et je lui ai dit, hein, cette taxe, elle est inique. On ne peut pas appliquer cette taxe en France pour les grandes exploitations de céréales, de betteraves et tout ça, et nous l'imposer pour des petites surfaces qui font moins de 5 hectares, alors que ce sont des dizaines et des dizaines et des centaines d'hectares, une exploitation agricole en France. Donc, la terre, la question foncière, il faut que l'on en débatte et sereinement et qu'on apporte des correctifs. On parle de réchauffement climatique. Il y a des carèmes de plus en plus rudes. Carême de 2019, carême de 2020, ça a été catastrophique pour notamment les agriculteurs dans le sud. Donc la question de l'irrigation et la question de l'eau, on doit la régler. Et surtout, nous avons cette question des outils financiers dont je viens de vous parler. On ne peut pas rester là, les bras croisés, faire les mêmes constats depuis des dizaines d'années. Il faut changer ces outils financiers, la répartition des sommes allouées et des subventions. Les subventions existent, mais il faut les répartir autrement. C'est d'ailleurs une des orientations de la Cour des comptes, je dis bien de la Cour des comptes au niveau national. Le rapport 2011, ils sont très sévères sur les orientations qui ont été prises pour le développement de la banane, où on constate qu'il y a une diminution des surfaces agricoles utiles, une perte du nombre d'exploitations et une diminution du revenu agricole de manière globale, mais pas pour le secteur banane, justement. Donc, voilà le parallèle, pour répondre de manière très concrète à votre question. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est que demain, il y a trop d'incertitudes qui pèsent sur le développement économique. L'enjeu, c'est que face à ces incertitudes et à la mondialisation, il faut que la Martinique soit en ordre de bataille. Ça nous demande une concorde nationale.
que l'on puisse sortir des postures politiciennes et se mettre ensemble, frotter nos cervelles, pour que l'on puisse pondre ce que vous aimez, un plan ou un projet de développement agricole, un plan de transformation agricole. Et cela, ça demande un financement que nous avons calculé. Nous avons travaillé avec les services de l'État, la DAF, nous avons travaillé également avec la Chambre d'agriculture, et on a passé toutes les filières, après analyse, notamment analyse financière, il faut de 46 millions d'euros par an à l'agriculture martiniquaise pour développer chaque filière, sortir de ce niveau de production par rapport à la consommation que nous avons. Si on veut gagner ce secteur, si on veut gagner ce défi, 87% de ce qu'on mange, ça provient de l'extérieur. Or, si nous gagnons des parts de marché, nous développons l'emploi et nous faisons en sorte qu'on puisse avoir une meilleure qualité de vie en Martinique. C'est possible à condition que l'on priorise le développement agricole, que l'on mette ces sommes dans un plan de transformation de l'agriculture martiniquaise. De transformation de l'agriculture ou des produits agricoles ? Non, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je veux dire que je peux faire des ignames et puis je peux faire de l'agro-transformation. Voilà, c'est de l'agro-transformation. Là, la production et l'agro-transformation, ça va ensemble. Pour produire un yaourt, c'est déjà, vous entrez déjà dans l'agro-transformation. Pourquoi vous n'avez pas fait un plan de développement pour la Martinique depuis que vous êtes en politique ? Non. Nous avons été aux affaires pendant 5 années. Personnellement, on m'a confié, le président Marichal m'a confié un certain nombre de missions, notamment celle du développement durable, celle du développement agricole, et c'est pour ça que j'ai tissé un certain nombre de relations, j'ai frappé à certaines portes, j'ai eu à le représenter à l'ODEADOM, également à Bruxelles. Donc ce sont des dossiers qui méritent un intérêt, parce que ce sont des dossiers d'avenir, quoi qu'on pense. Et l'idée qu'on avait de l'agriculture de nos grands-parents, cette idée, elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, pour reprendre l'exemple du fil à pain, il est grand temps que l'on puisse avoir du fil à pain autrement que sous nos arbres à pain en train de pourrir. Il y a là une valeur nutritive du fil à pain, il y a là un produit d'abondance qui peut nourrir avec des fruits. Avec des champs d'arbres à pain. Ça existe déjà, mais ce n'est pas exploité. On n'a même pas besoin. L'existant aujourd'hui permet de développer une filière d'agro-transformation avec des frites, avec des chips, avec de la purée, tout cela. À condition maintenant qu'il y ait le développement d'une filière. Dans le statut actuel, on ne peut pas le faire. Il faut l'autonomie pour ça. Alors, c'est dommage que, je dirais de manière très caricaturale, vous essayez tout le temps, de revenir sur ces questions et de dire que, on a besoin d'autonomie. Non, je vous ai quand même, et les téléspectateurs sont témoins, je vous ai quand même expliqué la démarche et ce qui nous anime. Si vous estimez que la situation actuelle est bonne, et que ça ne vous dérange pas qu'il y ait cette montée de violence, cette insécurité en Martinique, parce que nos jeunes n'ont plus de perspective, et bien M. Larouchet, libre à vous. Mais je ne partage pas cette opinion. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'engage en politique, et je souhaiterais que d'autres le fassent également, d'autres puissent nous rejoindre, notamment à Martinique Écologie, pour que nous puissions changer les choses. Il n'y a pas de fatalité dans ce pays. Il n'y a aujourd'hui, comme disait Fanon, beaucoup de pantalons, mais peu d'hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui retroussent leurs manches et qui s'engagent aux côtés des agriculteurs, aux côtés des marins-pêcheurs, aux côtés des transporteurs pour pouvoir effectivement changer la donne. Pourquoi est-ce que vous parlez de climat d'insécurité, de violence ? Je veux dire, en Martinique, quand on compare à ce qui se passe en Haïti ou quoi que ce soit, à la Jamaïque, dans un tas d'autres pays dans le monde, nous sommes un pays à des crimes comme dans tous les pays du monde. Mais vous êtes en train de mettre dans la tête des gens. L'autre jour, on faisait un sondage et j'entends quelqu'un dire « Tous les matins, on nous dit qu'il y a un crime !» Vous êtes en train de mettre dans la tête des gens que nous sommes un pays insécure, alors que nous sommes un des pays les plus sécurisés du monde.
pas de France, hein, du monde. Mais dans votre tête, c'est-à-dire que vous avez un discours particulier, vous, vous faites du catastrophisme, puis vous dites, ouais, mais il faut que ça change, parce que c'est catastrophique. Mais ce n'est pas du tout catastrophique hein, au niveau de la sécurité. Il y a forcément des délinquants, comme partout. Mais on n'est pas, quand on regarde la Jamaïque, le pays le plus criminogène du monde, Haïti, regardez ce qui se passe, et vous essayez de nous faire croire un sentiment d'insécurité, vous allez créer de la schizophrénie chez les Martiniquais, une maladie quelconque. Ah, mais c'est sûr que s'ils vous fréquentent, ils vont devenir schizophrènes. Mais par contre, il y a un certain nombre, là encore, on revient aux chiffres. Quand on donne les chiffres de la criminalité, M. Larocher, oui. Regardez les départements qui sont le plus touchés. C'est la Guadeloupe, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Non. Nous sommes les mauvais élèves. Mais là encore, si vous estimez que c'est une situation qui est acceptable, libre à vous, n'est pas raison. Vous ne pouvez pas nous comparer à Haïti. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas nous comparer à Haïti. Et pourquoi vous ne comparez pas la Barbade ou à Bahamas? Mais je suis en train de dire que même avec ces pays-là, nous sommes un peu plus criminogènes, mais il n'y a pas ici en Martinique un sentiment d'insécurité, de la violence sans arrêt. La situation n'est pas acceptable. Cette semaine, nous avons eu le procureur de la République qui a fait le bilan, nous, justement, des moyens, et que les moyens ne sont pas adaptés compte tenu de l'augmentation de la criminalité, compte tenu du fait qu'actuellement, au centre pénitentiaire du COS, il y a une surcharge. Nous avons aujourd'hui une situation qui nous impose un changement. Alors, si ce changement institutionnel que nous proposons permettra effectivement d'améliorer les choses, oui, nous y allons. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas de figure, il faille faire la relation. Chaque fois qu'on demandera quelque chose, ah oui, eh bien, on ne peut pas avancer parce qu'il y a une violence. Oui, il y a de la violence dans ce pays. Et on ne va pas mettre la poussière sous le tapis. On essaiera de mettre les moyens au centre pénitentiaire, les moyens pour la justice, pour qu'on puisse faire diminuer la criminalité. Et que on puisse vivre, je dirais, dans un pays qui sera un pays de liberté et un pays. Vous vous sentez en danger, vous, en Martinique, vous, Monsieur Boutrel. Je ne prendrai pas mon exemple à titre personnel. Je refuse de le faire. Et Dieu seul sait si, sur ce sujet, j'aurai des choses à dire. D'accord. Vous a jamais cambriolé 3-4 fois. D'accord. On m'a déjà cambriolé. Bon. Donc, je ne viendrai pas, je ne ferai pas de mon cas personnel une généralité. Ce que je constate, c'est que globalement, nous avons trop de crimes pour un petit territoire comme le nôtre, où vous, par le passé, vous partiez, vous laissiez votre maison grande ouverte, vous revenez, le voisin jetait un œil, rien ne se passait. Maintenant, vous vous barricadez, vous mettez tous les systèmes de sécurité, vous êtes cambriolé. Il y a une montée en puissance et vous ne pouvez pas le nier. Des agressions, il y a une montée en puissance des cambriolages, et ça, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, malheureusement. – Ça m'a mis sur le temps quand mes parents disaient ça, les gens disent, ouais, avant on laissait sa maison ouverte, on partait, j'ai connu ça. – Vous avez connu ça, mais c'est parce qu'il n'y avait rien à voler chez vous. Donc, aujourd'hui, il y a de quoi voler, mais à l'époque, il n'y avait rien quand on allait voler. Est-ce que vous voulez conclure cette émission, s'il vous plaît? Si. Vous avez 5 minutes. – Non, mais cet échange me paraît important pour une raison bien simple. Il est grand temps que l'on puisse aborder certains sujets, notamment les questions institutionnelles et statutaires, de manière apaisée. Parce que l'histoire ne resserre pas les mêmes plats. Nous avons cette opportunité-là d'avoir une évolution institutionnelle. Mais nous ne sommes pas maîtres des horloges. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Par contre, si nous sommes solidaires, si nous faisons preuve d'une concorde martiniquaise, nous pouvons dire ensemble ce que nous voulons, à ce moment-là, il y aura une écoute du gouvernement et à ce moment, on peut espérer que ce changement tant attendu, on puisse le voir. C'est-à-dire que là, vous venez de faire un appel aux départementalistes pour leur demander de devenir autonomistes. En gros, c'est ça. Je fais un appel à la responsabilité martiniquaise. D'accord. Parce qu'on s'arc-boute sur des postures départementalistes, indépendantistes, autonomistes, qui n'ont pas lieu d'être. Pour un certain nombre de sujets, nous pouvons faire peuple. Et c'est pour ça qu'à Martinique Écologie, nous renouvelons sans cesse notre appel à la concorde martiniquaise.
L'essentiel est ailleurs. Nous ne sommes que de passage ici-bas. Donc, et dans nos missions également, d'ailleurs, certains l'oublient. Donc, pendant ce passage, faisons en sorte qu'on puisse améliorer le quotidien des Martiniquais et avoir une Martinique qui soit plus belle et plus prospère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Louis Boutrin. Louis Boutrin est conseiller territorial, il est président de Martinique Écologie et il est avocat de profession. Merci Monsieur Boutrin, merci infiniment de nous avoir honoré de votre présence. Merci de m'avoir reçu. Merci. Thank you.